en compagnie de Jacques Lang, président de l'Institut du monde arabe, une personnalité politique et culturelle que tout le monde connaît en France et en Italie également, bien sûr. Il a fourni un texte fort intéressant pour un livre qui vient de paraître en français, qui était sorti en langue italienne il y a quelques années et qui vient de paraître en français, Maurizio Valenzi, j'avoue que je me suis amusé, itinéraire de Tunis à Naples. C'est l'histoire d'un militant politique, d'un homme de culture, d'un artiste peintre qui a vécu entre la Tunisie, la France, l'Italie, la ville de Naples, où il a été même le premier maire de gauche de cette après-guerre. Alors, votre souvenir de Maurizio Valenzi ? Non, c'était un personnage haut en couleur, chaleureux, extraordinairement chaleureux. Et c'était un plaisir de le rencontrer. Et par ailleurs, il a accompli des choses très importantes pour Naples et au-delà de Naples, pour la vie publique. Vous l'avez dit à l'instant, il était le premier maire de gauche à Naples. Il a accompli un immense travail pour rénover les quartiers, pour encourager la culture, pour donner à Naples un rayonnement international. Et à cette époque-là, Maurizio Valenzi était considéré par en Europe comme l'une des figures phares de la gauche nouvelle. Il était un communiste pas tout à fait comme les autres. Il avait déjà le Parti communiste italien n'était pas tout à fait comme les autres partis communistes, mais en plus, Maurizio avait son tempérament, son style, ses idées, son ouverture d'esprit. Et il apportait dans le débat politique européen, notamment dans la communauté, disons, de gauche, une vision originale, humaniste. Vraiment, à ce moment-là, il était l'une, je répète, l'une des personnalités fortes de la gauche européenne. Il faisait partie de cette communauté de juifs italiens qui avait rejoint la Tunisie déjà depuis quelques générations, donc il était né à Tunis. Il a souhaité retourner dans le pays d'origine de ses ancêtres, donc il est allé en Italie. Donc un parcours extrêmement complexe et une vie extraordinaire. Extraordinaire et il incarnait, je dirais, une sorte d'humanisme universel. Il n'était pas du tout l'homme politique sectaire, étroit d'esprit. Je répète, il avait une vision large des choses et à cette période, il était réellement l'une des personnes dont le nom était cité en France, par exemple, comme étant le symbole d'un socialisme nouveau, un socialisme réformateur et humain. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui, nous avons participé à des colloques, des rencontres, des débats. À cette époque-là, je me suis beaucoup battu pour construire une Europe de la culture. Et je me souviens d'ailleurs que nous avions organisé à Naples un séminaire avec des ministre de la culture de différents pays d'Europe, et Maurizio était avec nous. Voilà, donc une personnalité non seulement politique, mais culturelle aussi. Oui. C'était un homme de culture, profondément, un peintre, un artiste, un créateur, mais au-delà, un homme qui se passionnait pour l'art sous toutes ses formes. Et il a beaucoup apporté à la ville de Naples, et il considérait que la culture était le cœur même d'un changement social, d'un changement de société. De ce point de vue-là, nous étions très proches et nous partagions les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes ambitions. Pour vous qui connaissez bien l'Italie, Maurizio Valenzi était un interlocuteur italien de premier plan. De premier plan,
premier plan. Il, bon, il y en a d'autres que j'ai connus un peu plus tard. Mais à gauche, bon, il y a eu plus tard comment il s'appelait, celui qui était vice-président du Conseil et ministre de la Culture. Veltroni. Plus tard, il était plus jeune, Veltroni a incarné à sa manière une autre forme, disons, de socialisme nouveau. Et en particulier, Veltroni, qui a fait beaucoup pour la culture en Italie, avait un esprit, comme Maurizio, tourné vers les autres pays. C'est vrai qu'il a été vice-président du Conseil, il a été ministre de la Culture, exact. Il a été également, à un certain moment, maire de Rome. Il a été maire de Rome ensuite. Oui. Et il a fait un excellent travail comme maire de Rome. Oui. Bon, c'était aussi une figure, d'ailleurs il est toujours en vie, il écrit des livres, des romans, je crois qu'il est plutôt retiré de la politique, mais il a joué un très grand rôle. Donc, c'est ces hommes-là qui font que l'Italie aujourd'hui est encore un pays qui suscite la curiosité de la France. Mais Maurizio, il a été vraiment à la période de transition entre, je dirais, un communisme un peu étroit et un socialisme humaniste et imaginatif et créatif. Je tiens à souligner que le texte de Jacques Lang se trouve à côté d'un texte de Giorgio Napolitano, ancien président de la République, et d'un texte de Lucien Suez. Giorgio Napolitano a été lui aussi un protagoniste du renouveau de la gauche italienne et européenne. Un personnage que j'aime beaucoup aussi, qui est un homme remarquable et qui a, par son intégrité, son sens de la République, contribuer à faciliter les transitions en Italie. C'est un grand monsieur. Merci Jacques Lang. Merci à vous, merci. Merci à vous.